Oh bien le bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Dragon Age Origins, le DLC, les golems d'Ankh-Yarak, voilà. Donc je sais plus trop où est-ce qu'on en était. Enfin, je me souviens qu'on avait trouvé le cadavre de Darion quelque part, donc on peut pas encore y aller. Oui, un corps a été façonné dans la chair des morts. La chose me jetait les membres de mes amis dessus. Ah ouais, c'est ça, ça on l'avait vu, je me souviens, on l'avait vu. Ça nous l'avait vu pour nous. Courir, là-bas on avait un truc de combinaison dont on n'avait pas encore le code et on avait le cadavre de notre Namidin là. Voilà. Alors avant de continuer, j'ai un peu réfléchi. Au scénario j'entends. Je pense. Alors on verra bien si je me supportais par la suite, mais du coup je le dis comme ça. Vous êtes au courant de si j'avais prévu ou pas finalement. Je pense que en fait, ils ont. Rappelez-vous, on est là pour. Les nains, là, ils sont venus pour trouver les secrets des golems. Enfin, à refaire des golems, quoi. Et, parce que c'est une technologie qu'ils avaient oubliée. Ou une magie, bref. Et donc, ce que je pense qu'ils ont fait... Et, on a appris dans le jeu original que, en fait, les golems... Donc, on l'a appris quand on est allé voir Caridin, etc. En fait, les golems, c'est on foutait l'esprit d'un nain dans une machine comme ça. Là dans ce truc-là, il y a l'esprit d'un nain. Voilà, qui permet d'animer le truc. Bon. Eh bien, là, ils sont en train de parler de bouts de chair qui sont en train de... Je pense qu'ils ont essayé de refaire les golems, mais à la place de le foutre dans une machine, dans un golem, quoi, ils ont foutu ça dans un amas de chair, ou quelque chose dans ce genre-là, quoi. Et donc, en gros, c'est pour ça que ça a foiré, parce que là, c'est une machine, donc il n'y a plus d'âme, mais dans un amas de chair, il doit y avoir une question d'âme, ou je sais pas, une connerie comme ça. Bref, je sens bien un truc comme ça, quoi. On y va, on continue. Hop, c'est parti. Maintenant que j'ai fait mes explications, panneau ancien. Casque de protection recommandé pour cette zone. Bon, j'ai un casque. Hein. Tac, très bien. Journal de Darion. Alors, je suis prêt à parier que... Voilà, évidemment. Ah merde, je suis trop con. J'ai oublié de faire entre les deux épisodes les... Oh, je suis débile. Bon, je le ferai à la fin de celui-ci. J'ai oublié de faire les tactiques de ce monsieur-là. Là. Et de trier ses compétences. Enfin, de toute façon, je pense pas que je l'utilise à un moment spécifique, mais... Voilà, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Saloperie, sale bête là, cesse de te coincer. Bien, merci. Ah, j'ai remarqué aussi que vous avez été nombreux, il y a au moins 3 personnes qui ont fait la réflexion, à avoir cliqué sur le premier épisode de cette série. Oh, un coffre. Avoir cliqué sur le premier épisode de cette série, parce que la miniature avait changé, sans faire gaffe que c'était Dragon Age. Magie plus 5, amélioration de la magie du sang. Ça c'est pour les mages, on n'a pas de mages. Je m'en bats les couilles du coup. Du coup c'est amusant. Alors, journal de Darion. Je continue à l'entendre, même d'ici. Cette chose sait que je suis là. Je ne peux pas retourner à la forge. Il y a un filet de lumière. Je peux voir mon issue, mais je ne peux l'atteindre. Le sol est trop humide, la roche trop glissante. Je pourrais sortir et affronter mon destin. Ou rester ici. Dans un cas comme dans l'autre, je cours vers une mort certaine. D'accord. Donc j'imagine qu'il a essayé de grimper là et qu'il est tombé comme un caca. Ou qu'il s'est fait attaquer par... Bref. Alors, bon petit Darion, note de Darion. On dirait les notes de Darion sur les interrupteurs de la salle des commandes. Avec plusieurs lignes barrées, on peut lire JMBC. JMBC, d'accord. Ah, on... de commande de golem, note sur les golems de soins, très bien. Bon, on dirait qu'on a au moins trouvé ce pauvre vieux. Que les ancêtres veillent sagement sur lui. Darion mort? Mais en un seul morceau. Il s'en est mieux tiré que la plupart ici. D'accord, donc j'imagine qu'il y a du qui sait comme ça. JMBC, d'accord. JMBC. Est-ce qu'il y a un système de lettres au sol ou quelque chose comme ça?
JMBC. Ah bah ça c'est pas si compliqué que ça. Il suffisait de les faire dans l'ordre en fait. Alors, petit coup de sauvegarde dans le doute quand même. Oui. Ah voilà, c'était un petit peu long. J. Oh, je parie que ces enculés de golems vont s'activer. M. B. C. Ouais, j'ai gagné un niveau. Ah, je suis passé dans le monde rouge. D'accord. Ok. Et là, si je fais ça. Ce sont les mêmes interrupteurs, très bien. Les deux mêmes interrupteurs. Donc on est dans le monde rouge. Alors avant de progresser dans le monde rouge, nous allons augmenter notre niveau. Alors attendez, à chaque fois j'oublie. On a cette force pour ça. Ouais, on a l'air d'avoir tout enlacé, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre Parce qu'en fait on n'a plus besoin de grand chose, hein, là c'est juste du bonus quoi. C'est juste du bonus. On va se mettre... Deux de force et un de dextérité. Voilà. Cela me semble... Quoique... Non, et un de constitution, allez hop. C'est juste pour avoir des nombres ronds, parce que je préfère les nombres ronds. Hein. Coup d'éclat, activé, porté, gna gna, le guerrier privilégie la décision... La précision et obtient un bonus d'attaque considérable sur une période modérée. D'accord. Maintenu, ça l'est maintenu, je m'en bats les steaks, vous l'aurez remarqué. Bon bah écoutez, on va prendre ça, de toute façon on a déjà quasiment toutes les compétences, j'ai bien l'impression. Guerrier accompli, bah cela c'est très bien. Écoutez, on va mettre ça par là, comme ça, tac, c'est très bien. Je pense que je l'utiliserai pas souvent parce que bah j'y penserai pas. Mais bon. Ok, alors. Alors attendez, on va retourner un petit peu en arrière. Parce que j'ai oublié en fait un petit peu ce qu'on a fait à l'épisode. Il faut que j'articule. J'ai oublié ce qu'on a fait un petit peu à l'épisode précédent. Donc je vais regarder s'il n'y a pas des trucs rouges du cul. Quelque chose me dit que cet interrupteur me renvoie pas là où je veux. Ouais, là on est dans le bleu, hein. On est dans le bleu. Celui-là. Bon, j'ai fait de la merde. Je n'aurais pas dû appuyer sur... Mais pousse-toi, Grotta ! Bon, du coup, faut que je retourne voir le rouge. Celui-là, on l'avait eu, hein. Oui, on l'avait eu. Ah là 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 là. Bon, on perd un peu de temps, mais c'est pour être sûr de bien tout explorer, de ne rien louper. Voilà, on veut faire le plus possible du jeu. Donc je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas une entrée rouge qu'on aurait loupée. Bon. Parce que on a vu que... Enfin, théoriquement, j'y serais pas allé. Mais en fait, on a déjà vu précédemment dans le jeu que c'était pas super linéaire, que des fois, il y avait des petits trucs... Enfin, quoi que... Ouais, c'était relativement globalement linéaire. Allez, ça c'est le truc qu'on est arrivé, on peut pas retourner en arrière. Très bien, en fait, bon. Ah oui, on va pas se leurrer quand même. Oui, le jeu est relativement linéaire. Ce qui n'est pas un mal en soi d'ailleurs. Voilà, les gens qui disent, oh là, les jeux linéaires c'est pas bien. Ça peut être très bien. Mais bon, disons qu'il y avait 2-3 coffres qu'il fallait retourner en arrière de temps en temps. Donc, allez, on avance vers la suite du jeu. Sauvegarde en cours. D'accord. Est-ce qu'on va tomber sur un quelconque boss ou quelque chose comme voilà. Ça voilà. Je pensais que tu avais confiance en Darion. Il a dit, va à la forge. Tout y est, y compris mes travaux de recherche. Non, Jerick, vous ne l'entendez pas. Ces petits cris aigus, là. Tapi, elle attend. Elle prendra ton visage, Jerick. Elle va le réduire en pièces. D'accord. Faut que j'aille par vous maintenant.
ordinateur. Il y a un chemin là-bas. Il y a d'avoir un chemin par là. Un chemin qui monte comme ça, comme ça, comme ça. Forge. Et là, derrière nous, il y a rien. On va monter par là, j'ai l'impression que c'est pas le bon chemin. On va y aller. Ah ouais, il devait y avoir un endroit où c'était bloqué comme ça, genre ça s'était boulé. D'accord, très bien. Note sur les golems, mécanisme. D'accord. Inventaire. Que dit cette note sur les golems, mécanisme? Ah d'accord, c'est... d'accord, on l'avait déjà. Très bien. Eh bien dommage, ça n'a pas donné de nouvelle amélioration au golem. Tant pis. C'est un peu facile ça quand même de pouvoir le trouver en deux fois. En double exemplaire. Bon, j'imagine que l'endroit où on traverse ne change pas grand chose. Je regarde un petit peu hein. Un petit peu de stratégie ne fait pas de mal. Il y a un interrupteur ici. Le moissonneur. Ah c'est ce gros truc dégueulasse qu'on a déjà vu. Il avait l'air plus petit hein. Ou alors c'était seulement des petits bouts de moissonneur. Bon. Bon ça a déjà sauvegardé. Ah c'était ce truc là qu'on avait vu. Ah c'était ça, c'était que des petits bouts de moissonneur. Oh c'est dégueulasse. Ah et du coup ça ressemble bien effectivement à ce que je pensais, un golem un golem mais de chair. Ah. Au combat hein. Oh là là, pas vouloir hésiter sur le champ, j'ai l'impression. Bon. Oh merde. Ça va, il s'est tué tout seul en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire que... Ah merde, tu peux pas soigner ce connard. D'accord. Oui, donc il y a un interrupteur là. Je peux vous l'avez... Attendez, il est là. Bon, j'avais vu un interrupteur quelque part par là. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est activé tout seul, on est plus dans le rouge en fait. Bon, j'allais dire j'ai peur qu'il y ait un genre de stratégie à la con. Ou sa mère. Ou en fait il fallait passer d'un monde à l'autre pour faire des dégâts ou quoi. Ah. Ah, c'est niaisé. J'aurais perdu un mec, j'aurais dû faire plus attention. Aïe. Et mon golem aussi va mourir. Ok. Oh là par contre, hop là. Ah. D'accord, très bien. Bon allez, on va pas perdre trop de temps. Je vais faire une petite sauvegarde aussi juste avant la cinématique quand même pour pas retourner trop loin en arrière. Oh là 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 là. Ah. Bon. Qu'importe. Non, on dirait. Bon, on va faire. Vous ne l'entendez pas. On va faire plus attention. Tapi, elle attend. Elle prendra ton visage, Jerick. Elle... Je m'exécute. Va le réduire en pièces. Tac, on va là. On sauvegarde. Et on y va. Ça fout pas sa cinématique, on l'a déjà vu. Grosse monstruosité dégueulasse. Tac. Tac, on va lui mettre un petit coup de flé au dépérant à celui-là. Mais qu'est-ce qu'il... Il m'a déjà buté l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, pars vite la santé un peu. Non, non.
Tac. Bon, heureusement qu'on avait des réserves de soins quand même, hein, parce qu'on en a pas trouvé tant que ça en plus dans le jeu. Oh sa mère. Tac. Et fléau. Merde, fléau de purement déjà activé. Hop, du soin. Et du soin également. Oh là là, oh là là. Et merde. Il reste plus de moi. Tac. Oh là, on a encore pas. Il nous en fait, c'est lui qui nous fait passer tout le temps en permanence de. J'ai envie de tester un truc. Ah bon. J'ai rien essayé du tout apparemment. Rien essayé du tout. Fléau des péons. Voilà, ça c'est bien. Ok, alors on va faire un petit coup de soin. On va prendre du soin. Bon, à mon avis c'est niaisé. Merde, pas du soin que je veux, c'est du. Oh, ferme ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Du breuvage endurance majeure. Hop, voilà, on ne les utilise pas souvent. Alors autant y aller. Hop là. Ok, hop, on va utiliser le truc qui fait des dégâts du monde. Massacre. Ça a pas si bien marché que ça. Oh là là. Oh là là. Ah. Bon, d'accord. Bon, pas facile, pas facile. Ok, alors il va falloir faire, sans doute tenter un petit peu de stratégie. Est-ce que j'ai équipé mes bronzhommes de... Enfin, j'ai rien équipé du tout. Bon. Cela dit, il est probable que... J'ai équipé. Il est probable que, en réalité, ce ne soit pas la solution d'être à distance. Hop, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que ça fait ça? Bon, je sais pas si, c'était, si ça sert à quelque chose, mais on va dire que ouais. Oh, il a déjà buté mon golem. Ah bah merde. Ok, très bien. Bon, vous en occupez. Hop, toi tu te soignes. Moi, je me soigne. Il est soigné là cet enculé? Ah ouais, sinon. Bon, soigne-toi un petit coup quand même dans le doute, hein. Oh là là, sa mère la pute. Bon, c'est juste un gros tank APV en fait. On va y arriver. On va y arriver. Soin. Ok. Moi je vais prendre un petit coup de soin aussi. Voilà. Faut juste bien penser à se soigner. Bien penser à se soigner. Il va bien manger sa mère lui. Ah non ça va pas tant que ça. Attaque-moi. Ok, vite. Prends du gros soin.
Moi aussi. Essayez la magie. J'ai rien de magique, moi. Rien de magique du tout. Les armes n'ont plus aucun effet. Essayez la magie. Okay. Ah, en fait, je pense que... D'accord, j'ai compris. La magie doit être effective quand on est dans le monde des, de la dimension parallèle, je sais pas quoi, du cul. Et ça doit être les armes qui sont effectives maintenant. D'accord, très bien. Ok, je comprends la strat, c'est bien. La pierre me rend plus fort. Ok, on va faire du... Hop, 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 hop. Boom d'endurance suprême. Toi, boom d'endurance majeure. Toi, et non pas toi parce que toi t'es mort de toute façon. Boom d'endurance. Hop. Bien, excellent. C'est bon, on va y arriver. Je me sens bien. Oh là là. Bon, je sens bien vite fait quand même. Ouh. Oh là. On prend des coups de trucs et de machin. Ok. Voilà, je suis mobilisé, c'est pas bon. Ah c'est bon, on est revenu dans le monde. C'est apte à nos attaques élémentaires. Revenez à l'acier. D'accord. Bon alors ça va il va y avoir d'avoir des stratégies que je piche pas trop bien. Écoutez, on va dire qu'on s'en bat les couilles. Hein. Oh là là, toi, prends du gros soin. On gaspille plein de soins, mais c'est pas grave. De toute façon, je doute qu'on en ait forcément extrêmement besoin dans les DLC suivants. Merde, j'ai pas fait gaffe, il m'a buté là tout le temps. Il y en a partout ces saloperies. Soigne-toi. C'est bon, des péons. Oh la Brogan, t'as besoin de soin toi aussi. Soigne-toi. Ah zut. Ok. Oh. Zut. Ah, je fais assaillir de toutes parts là quand même. Ah dommage, on était pas loin. Ouais en fait, tout ça c'est bien pas possible. Ah là là. Ok. Ah ça fait disparaître les petites créatures j'ai l'impression également. Oh là là. Ah mais merde c'est la fin. Ah dommage, dommage. On passait d'une dimension à l'autre fait aussi disparaître les autres petites créatures. Ok, très bien. On va y arriver. Ok, on va y arriver. Tac, d'accord. Donc effectivement, cet interrupteur est utile. Ok, hop, c'est parti. Ah il a chopé son bras, il m'a frappé avec, j'avais pas fait gaffe. C'est dégueulasse. Ok, alors, tu te soignes. Bien. Ok, tu te soignes plus.
Ah, d'accord. Ah, mais il me tue tellement vite. Il n'en a rien pour les ressusciter. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, attendez. Je me suis trompé de bouton, je voulais l'attirer vers moi et j'ai fait l'attaque pour renverser à la place. Je suis un idiot. Bon, avec deux mecs qui meurent dès le début, ça va pas le faire, effectivement. Ok, tac. Hop là. Voilà, hop, je l'attire vers moi pour éviter que cette attaque de zone fasse des dégâts sur mes alliés. Mes alliés vont l'attaquer dans le dos. Oh là là. Attendez, hop, C. Ah, merde, ils m'ont déjà pris, hein. Oh là là, c'est tendu du cul. Alors hop, on va falloir un coup de soin. Je ne dis pas grand chose, pas grand chose d'intéressant parce que j'essaie de me concentrer un petit peu. On sait bien, je tente l'autre qui est derrière. Pendant ce temps on le tape. C'est bien. Toi, va changer de dimension. Continue de frapper moi, c'est bien. C'est moi qui veux frapper. Ah, ils se retirent des boules de chair, oh, c'est dégueulasse. Hop, on va faire un petit coup de fléau d'éperon sur ce mec là. Ça va bien marcher. Du gros soin. Excellent. Le problème c'est que il fait beaucoup d'attaques de zone ce zigoto. Oui bah tu. Occupe-toi de lui. Et toi occupe-toi de lui aussi. Pendant ce temps je tanque ce monsieur. Viens, viens là, viens. Viens gros tas, c'est bien. Très bien. Bouge ton gros cul. C'est moi qui vais attaquer, c'est moi qui vais attaquer. Merde, ça vient la pute. Hop là, hop, tu vas activer l'interrupteur. Bon, à mon avis, c'est foutu. Tac, on va y arriver. Ah pardon, j'ai oublié là, putain, excusez-moi, j'étais concentré, hop là, où est-ce qu'il y a son QE de... Voilà, tac. Tac, bien. Donc j'ai fait une petite coupure parce que sur l'espace Discord à la con, et le fait que j'arrête pas de mourir en boucle comme un bon caca, eh bien, voilà, ça fait beaucoup. Oh putain de sa mère la pute. Ok. Attaque-moi. Durci.
peut repasser dans le monde. Des gens civilisés, ok. Oh là là, il a déjà quasiment tué le golem. Fait chier du cul. Ok. Bien, qu'est-ce que c'est que ça là? Interrupteur, il y a un autre interrupteur ici? Je le vois pas. Je suis dessus? Je vais essayer de voir un autre interrupteur juste à côté. Oh, curieux. Curieux. Hop là. Allez, on va y arriver, on peut y arriver. Ah, il est immobilisé, ça c'est bien. Oh, il était pas immobilisé longtemps par contre. Ok, oui, la maison d'Ice régnera, comme tu dis, toi tu prends un petit coup de soin comme ça. Voilà, prends des dégâts comme ça. Oh là 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 là. Toi, hop, fléau des péons. Très bien. Bon là on s'en sort un peu mieux que jusqu'à présent, même si le golem est pas en très bon état. Allez, on peut y arriver. Oh, et merde, il a buté mon golem. C'était le mec qui pouvait faire du soin. Fais chier. Vite, il faut les attirer sur moi, sinon il va buter mon mec. Ouh. Tac. Le Bronto, tu vas attaquer ce truc-là. Et toi, tu vas attaquer celui. Hop, si. Pendant que j'essaye de tanker. Hop. Et on va faire un petit coup de ça. L'attaque de zone. Bien. Pendant ce temps, tu vas prendre ce soin là. Vite. Bon, c'est la stratégie là. Hein. Enfin, c'est la stratégie. La stratégie dans la gestion du soin un petit peu. C'est chaud. En plus, l'enculé, il va coincer dans un coin. Eh, je suis pas une putain qui prend contre un mur. Hein. Oh. Tac. Tac. Vous gérez les petits pendant que je tanque le gros. On fait comme ça. Hein. On fait comme ça. Toi, tu gères le petit, bien. Ah, par contre, non, si ça recommence, ça va m'énerver bien rapidement. Tac. 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 J'ai plus d'endurance, il faut que je récupère de l'endurance. Suprême. Hop là. Hop, pour l'instant, tu vas reprendre du gros soin. Toi, du petit soin. Et toi, du petit soin. Ok, maintenant. Hop, on va vous donner de l'endurance. Hop. Majeur, tac. Oh là 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 là. Personne ne peut m'arrêter. Ah ouais, personne, sauf ce gros monstre quand même. Hein. Sauf ce gros monstre. Hop. Vous ne me laissez pas le choix. Hop là, toi, tu vas prendre un petit coup de fléau des péons. Je pas trop qu'un mec qui soit dans mon cul. On va prendre du soin quand même. Merde, je suis mort. Ah, oh, fléché du cul. Ah, le combat est bientôt fini théoriquement. Allez, on peut y arriver. On peut y arriver. Tac. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et merde. Ah non, on y était presque. Oh, fais chier. Vite, va actionner l'interrupteur.
Bon, ça m'étonnerait qu'on y arrive, mais on peut toujours essayer. Ah, ça tue bien les petits saloperies en plus. Ouais, non, bon, tant pis. Ah, dommage. Bon, je pense que je vais laisser cette partie-là quand même. Ouh. Hop là, allez, on y va. On va pas activer tout de suite le machin. Parce que, voilà, hop. Tac, maintenant on va l'activer parce qu'il y en a un truc qui est... merde, qui est sorti. Tac. Allez, on peut y arriver, on peut y arriver. On n'était pas loin la fois précédente. Tac. Là, tu vas prendre du gros soin. Hop. Bien. Attends, c'est moi qu'il faut que t'attaques par contre. C'est... pendant ce temps. Ah, t'as déjà été soigné un petit peu. Donc on va te mettre du soin comme ça. Oh là là, on va te remettre du gros soin. C'est à soigner ou pas là? Soigne-toi, bordel de merde. Quand même, merci. C'est moi qu'il faut que t'attaques, bordel de merde. Ah, ça a pas marché. Vite, 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 il faut le soigner. Oh là 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 là. Ah là, apparemment, faut quand même bien un bordel de putain de mage pour réussir. Bah, je pense qu'un mage se... enfin si, enfin il faudrait que le perso principal soit un mage parce que le jeu ne fournit pas de mage. Mais ouais, c'est pas... ce serait pas du luxe quoi. Je frapperai nos ennemis. Bah attaque toi bordel de merde, gros tas de merde là. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Aïe. Tac. Toi, va activer le machin. L'interrupteur, voilà, tu vas l'activer. Je m'exécute. Là, là-dessus, on va faire fléau des péons. Bien. Tu fais un du soin. Ok. Oui, la magie ne fonctionne plus, c'est bien. Ok, alors, hop, toi, du gros soin. Toi, du soin comme ça. Ok, on va faire un petit coup de ça. Hop là, bien. Toi, tu prends du soin comme ça. Toi, du soin comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Sa pose se durcit, d'accord. 3 créneaux. Pourquoi 3 créneaux tactiques à qui? Sa pose durcit, ses armes n'ont plus aucun effet, d'accord. Hop, tu vas, du coup, te diriger vite vers cet interrupteur. Ce qui va nous débarrasser des petits gars qui sont derrière nous. Donc on va pouvoir taper en permanence sur les grosses créatures. Magie. T'appuies dessus toi aussi bordel de merde. Tu lui tapes dessus. Tu lui tapes dessus, tu lui tapes dessus. Toi tu peux encore faire de soins. Moi je vais prendre une potion. Allez, c'est la stratégie, c'est la stratégie, on va y arriver. Je sais ce que je dis n'est pas très intéressant, mais je suis quelque peu concentré un maximum. D'accord. Du gros soin. Yes, ça les a tous tués, c'est l'interrupteur, ça c'est bien. A tout de suite, quand on est 4 à 8 tapés dessus constamment, c'est beaucoup plus facile. Aïe. Du soin. Du soin. Ah, on récupère un peu de soin. Hop là. Hop, pardon. Hop là. On va y arriver, on va y arriver. Tac, tu vas faire un petit fléau des péons. Okay.
Ok. Qui a le moins de vie? On va dire que toi, hop. Vite, tu vas activer le petit interrupteur. Voilà, va activer l'interrupteur, bien. Fais du soin, vite. Tac, 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 tac. Bien. On va y arriver. C'est bien. On y est presque. Bon, je sais pas combien de fois j'aurais fait de coupure ou qu'est-ce qu'il y aura ou pas. Parce qu'on l'a quand même refait plusieurs fois en boucle ce combat. Il était vraiment pas facile. Mais là, je sens qu'on y est. On y est, on va y arriver. Hop. Non, ça sert à rien de les attaquer ici. On s'en fait les couilles. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'était de la stupidité. Prends du gros soin. Toi, dès que t'es réveillé, tu prends du petit soin. Vite, chop. Va choper ça. Oui! Oui! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas fini? Attendez, hop, on va faire ça. Ah! Il y a une deuxième partie! Merde! À l'attaque! Merde, il y a une deuxième partie, fait chier du cul. Oh, le gros coup de poing dans sa mouille. Il a mangé. Hop, vite, à l'attaque. Oui. Mais il bouge beaucoup, son culé. Ah, là, il est mobilisé, c'est bien. Bon, ça va, il a l'air plus facile que la première partie. D'accord, c'est moi qui suis le plus proche, normalement. Où est-ce qu'il y a cet interrupteur à la con? Attendez, il est où l'interrupteur? Il est... L'interrupteur a disparu? Ah bon? Ah d'accord. Ah très bien. Je vous écoute. Ah maintenant si on est dans le rouge, on est dans le rouge. D'accord, d'accord. Soit, soit. Tu vas prendre du petit soin. Ça c'est gênant quand même, l'interrupteur a disparu. Genre comme ça. Ça c'est quoi ça? Forge, d'accord, ok. Bon. Je vérifie quand même, c'est curieux ça. Y'a plus d'interrupteur, bordel de merde. Alors attendez, je me cure l'oreille vite fait. Parce que. Hop. Mais il se bat contre mon pote là? Ou bien? Qu'est-ce que mon pote fait là-bas? Ah non, il est là mon pote, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toi, tu vas prendre un petit fléau d'éperon dans ta figure. Oh putain, par contre, le fait que le combat ne soit plus localisé, alors d'un côté c'est plus facile, de l'autre c'est beaucoup plus chiant pour gérer les putains. Qu'est-ce qu'il fait ce con là? C'est beaucoup plus chiant pour gérer. Mais il saute! Où est-ce qu'il est rendu? Pour gérer le groupe, parce qu'on voit moins la vie des gens. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, au moins il prend beaucoup plus cher, le combat est plus facile. Ça va, j'ai eu peur mais ça va. Dans le doute, on va quand même refoutre un petit peu de soins sur lui. Et sur moi aussi, tiens. On leur a gaspillé plein de soins. Mais en même temps, je pense qu'on n'en aura pas trop besoin dans tout de Morrigan. Il a l'air beaucoup plus simple. Et on a quand même encore beaucoup. Oui! Victoire! Oh là! Non! Tout ne peut pas s'écrouler maintenant! Il faut y aller, Jerick. La forge est détruite, c'est ce que voulait Darion. La créature est morte.
Il pourrait y avoir d'autres notes, d'autres... Non, ça paraît être de la connerie. Non, Jerick, assez de vies ont été sacrifiées comme ça. Oui, oui, on s'en va. Voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Bon, du coup, je sais pas combien de temps aura duré cet épisode, mais c'est la fin du DLC, j'ai l'impression. Donc il aura été court. Alors, c'est tout. Tout est perdu. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Non, mon frère, nous sommes encore en vie. Oui, voilà. Rentrons maintenant. Ton frère, c'est un malin, écoute-le. Quand même bien de la connerie, cette histoire de golem. Ah ! Oh, quelle horreur, sa mère la pute ! Ils en ont fait plein ! Ah, merde ! J'ai gagné un succès déverrouillé, faucheuse. Bon, voilà, du coup, c'était la fin de ce DLC. Bien. Eh bien, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant, en fait. Bon, c'était court et linéaire, mais c'était quelque chose d'intéressant, je veux dire, en termes de jeu. C'est un genre, un espèce de gros donjon, là, Donjons et Dragons, finalement. Hein. Genre, Donjons et Dragons RPG papier, j'entends. Jeu de rôle papier. Et du coup, ouais, plutôt sympa. Genre, ça enrichit l'univers, quoi. Donc, j'ai bien aimé. Bon, après, c'était pas la folie non plus. Bon, effectivement, c'était plutôt court. Mais voilà. Sur les internets, comme on dit, sur des trucs du genre jeuxvideo.com, Sens Critique et des trucs comme ça, j'ai trouvé qu'il se tapait des sales notes. Genre, il était plutôt entre 4 et 5 de moyenne, quoi, sur 10. Ce que je trouve assez injustifié. Parce que, bah, franchement... Bon, oui, effectivement, c'est court c'est linéaire, c'est un donjon classique, quoi. Mais les donjons classiques, ça fait pas de mal. Et puis le niveau de difficulté, enfin, je vous avais dit dès le début que j'avais lu que le niveau de difficulté était assez élevé par rapport au jeu normal. Et j'ai trouvé que effectivement, d'une part, effectivement, c'était le cas. Et d'une autre part, ça changeait un petit peu. Non, j'ai bien aimé. Pas la folie furieuse, mais j'ai bien aimé. Voilà. Que faisons-nous ? Bah, nous allons nous quitter là. Et bien tout simplement, je vous dis salut à tous et à plus pour le prochain et avant-dernier DLC qui sera la chasse aux sorcières. Salut !